Hello les amis, c'est Mimi. Et c'est Majid. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale. Spéciale. Qui de nous deux? Voilà, on va se prêter au jeu. Qui de nous deux? On va voir. Alors c'est ou Mimi ou Majid. Ou Majid. Ou Mimi. Je me marre déjà. Voilà, donc on a tous les deux les réponses, c'est donc ou moi ou lui. Voilà. Faut être honnête, hein. Je le dis toujours. Faut être honnête. Normalement, on devrait être d'accord sur tout. Normalement. Bien sûr. On va voir les questions qui nous réservent. Inch'Allah. Bon, avant tout, on espère que vous allez tous très très bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait longtemps que Majid n'a pas donné signe de vie. Ouais, aujourd'hui c'est mon jour de congé. Alors, je travaille avec madame. Et avec vous. Et aussi, on voulait vous dire, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Là, on fait vite des petites stories. Et Majid est toujours là pour faire un petit coucou. Un petit coucou, voilà. Donc, on vous remercie de nous suivre de plus en plus nombreux. On est bientôt 100 000 abonnés, Majid. Inch'Allah, oui. Incroyable, vraiment. Merci en tout cas de nous faire autant confiance. Ouais. Ça nous touche. Et on continue cette belle aventure tant qu'on peut. Inch'Allah. T'es prêt? Avec nos abonnés. Avec nos abonnés, avec nos idées. Alors, c'est parti. Qui de nous deux était l'enfant le plus difficile? Le plus difficile. Son père, il m'a raconté qu'elle était difficile. Alors, j'étais pas seulement difficile, on m'appelait la reine des bêtises. Ah, la reine des bêtises, ça veut dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est le surnom que m'a fait mon papa quand j'étais petite. Tellement j'étais difficile. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. C'est comme ça, les enfants. Bon, il y a des enfants sages, il y a des enfants un peu qui font des bêtises. Oh, ouais. Mais les enfants, ça reste des enfants quand ils sont petits, c'est comme ça. Et toi, tu étais sage alors? Ouais. J'étais sage. Comme une image. Comme une image. Et voilà, alhamdoulilah. On continue? Oui, oui, oui. Allez, bon. Qui de nous deux travaillait le mieux à l'école? Bravo! Bah, c'est bien, pour le moment, on n'a pas d'erreur. Oui. Alors, explique-nous un peu. J'aime pas l'école. Moi, surtout, j'aime pas l'école. J'aime pas l'école. Même maintenant, j'ai 45 ans. Tu me dis, va à l'école. J'aime pas du tout. J'aime pas l'école d'été. Quand j'étais tout petit. Ouais, j'aime pas l'école. Quand j'y vais à l'école, c'était en force. Et voilà. Je sais que madame, elle est mieux que moi dans les études parce que j'aime bien. Il aime bien. Il a son diplôme, il a tout. Moi. Oh, j'ai pas terminé mes études, attention. Le seul diplôme que j'ai, c'est le diplôme de gestion. Ouais, il a un diplôme de gestion. Et moi, j'ai. En fait, Majid a travaillé avec mon papa en tant que commerçant. Puis il a voulu ouvrir sa propre entreprise. Entreprise, oui. Et il lui fallait absolument le diplôme de gestion. Lui, il n'aime pas l'école, il m'a dit hors de question, je n'irai jamais le faire. On a trouvé une solution où je pouvais le faire moi et alors le prêter. Tu te souviens? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai aujourd'hui un diplôme, c'est grâce à lui. Et lui, après 2 ans, automatiquement, il devient titulaire de ce diplôme. Au jour d'aujourd'hui, j'ai ouvert mon entreprise et je ne retrouvais plus. Son diplôme. Introuvable, on a été chercher auprès de l'État et tout, rien. Après 10 ans, il le supprime. Bah du coup, c'est Majid qui aujourd'hui. C'est moi, j'ai le diplôme maintenant. Sans aller à l'école, j'ai le diplôme. Et il m'a prêté son diplôme et j'ai pu ouvrir mon entreprise. Voilà. Donc voilà, on est là l'un pour l'autre. Ouais, bien sûr. Allez, suivant. D'ailleurs, j'en ai deux à la maison qui n'aiment pas l'école. Voilà, ils ressemblent à Majid. Leur papa. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'école qu'on n'est pas intelligent pour autant. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est rien à faire. Ah, qui de nous deux râle le plus? Ah! Moi, j'ai dit moi. Moi, j'ai dit moi. Moi aussi, j'ai râle beaucoup à la maison. Alors, voilà. Ah ouais, mais en tout cas, au début du mariage, je faisais que râler. Je râlais pour tout et pour rien. Bon. Il était encore un bébé chez moi. Il est toute petite encore, il avait 17 ans alors. Il râlait, la petite gamine. C'est exactement ça, j'étais une vraie gamine dans ma tête. On a beaucoup mûri, hein, Majid. Bien sûr.
Alhamdoulilah. Donc, tu trouves, moi, je trouve que tu râles pas autant que moi. Pour moi, on va dire 50-50. Mais après, je crois que c'est les femmes, elles aiment bien râler, je crois, en général. Ça, je ne sais pas te dire. C'est pas... T'es un homme. Je ne suis pas une femme. Alors, qui travaille le plus? Ça, c'est vite, hein? Ouais, c'est magique. Franchement, il travaille comme un dur. Il faut, hein? Bravo. Il faut. J'ai été il y a 2 semaines avec lui, il a été chercher sa marchandise à Aubervilliers. Oui, à Paris. À Paris. Et c'est de là que viennent d'ailleurs tous mes petits nouveaux foulards des dernières vidéos. Si je vous raconte combien d'échalés il a porté, je ne sais pas. Il m'a dit, viens, tu choisis. J'ai choisi. Au début, j'en ai pris 3-4. Et il m'a dit, prends. Il ne faut pas me le dire 2 fois. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous ces châles. Et alors, c'était magnifique. D'ailleurs, le grossiste, normalement, il ne les vend que par paquet. Enfin, en gros. Oh, ouais, en gros, par paquet. Mais voilà, comme il s'entend bien avec son grossiste, il les a vendus à la pièce. Et donc, je me suis levée très, très tôt. J'ai été avec lui. C'est éprouvant. 3 heures de route. Ensuite, il faut charger les camionnettes et revenir 3 heures de route. Des contrôles sur la route. La police qui vous arrête. Il faut décharger la camionnette. Enfin, un travail... De dingue. Donc oui, je confirme, c'est Majid qui travaille. Hey. Même si je fais beaucoup à la maison, mais moi je suis au chaud, je prends un café pour me donner de l'énergie, je m'arrête pour boire du thé, je mange, je fais une petite sieste. Ah oui, mais c'est pas le même travail, hein. c'est le travail de la maison aussi, il est dur. C'est pas le même travail. Qui fait ses excuses en premier? Voilà, c'est Mimi. C'est Mimi. Alors, on se dispute souvent. Comme tous les couples, hein. Et Majid, après 5 minutes, il est plus fâché, il est plus énervé. Mais il a du mal parfois à faire le premier pas. Il y a toujours madame, hein. C'est pour ça qu'elle est là. Et puis moi, je suis dans mon coin, lui il est dans son coin, et puis je me dis, bon allez, même si t'es en droit, t'avais raison, c'est bon, si tu laisses cette dispute prendre de la place, ça va prendre de l'ampleur. Parfois, quand les gens veulent, ils en arrivent presque au divorce, mais quand on va voir la cause, C'était rien du tout. Mais on laisse nourrir ça, on laisse ça grandir et ça devient un grave problème. Ça devient grave. Et du coup, je vais toujours faire le premier pas. Soit je lui envoie un message, soit je lui fais une petite photo. Voilà. Vive WhatsApp, franchement, c'est génial. WhatsApp, moi je réponds. Et puis il répond, ou alors je vais aller chez lui, je lui dis, ouais, c'est bon Majid, arrête d'être fâché, c'est bon, fais pas le gamin. Allez, on est des adultes, j'ai des torts et tu as des torts. Voilà, ah oui, je dis toujours, on a tous les deux nos torts, il n'y a jamais un coupable à 1000%. Et du coup, c'est toujours moi, la plupart du temps, qui fait le premier pas. Ouais. Ben bien sûr, c'est une femme. Bon, c'est pas parce que c'est une femme. C'est comme ça. Et si à la maison chez moi. Oui, ça n'a rien à voir avec être une femme. Voilà. Au contraire, on dit que la femme, elle est têtue même. Ouais. Elle a la tête dure. Mais quand il vient s'excuser, et même si c'est elle qui est en tort, s'il vient s'excuser, c'est bon, on s'arrange vite, c'est pas... Voilà, et on tourne la page. En fait, il attend juste que je vienne. Voilà. Et puis, tout de suite, il fait ses excuses aussi, hein. Voilà. Attention, il fait aussi ses excuses. Ouais, ça c'est normal, hein. Après les miennes. Après les siennes. Mais, je m'excuse aussi, c'est pas... Ouais, il faut... Je reconnais les erreurs. Il faut reconnaître ses torts. Alors, qui fait le mieux à manger? Tiririn. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais... Ah, t'as dit Mimi aussi. Ben oui, c'est la vérité. Allez, quoique même Majid cuisine bien, mais s'il faut un numéro 1... Moi, je cuisine bien aussi, mais si on va choisir le 1 et les 2... Number 1 et number 2. Number 1 et number 1. Après, c'est normal, c'est moi qui cuisine presque tout le temps, ouais. Depuis 20 ans de mariage. Il cuisine de temps à autre, c'est pas tous les jours, sauf quand je suis malade, là, il cuisine tout le temps. Quand il a congé, il a bien cuisiné. Mais voilà, je crois que j'ai vraiment développé beaucoup de qualités culinaires. Ouais, ouais. Et ça se ressent quand on mange. Pour moi, j'ai dit tout le temps, hein. L'élève, il a dépassé le maître. C'est vrai, voilà. L'élève a dépassé le maître. Voilà. C'est lui qui m'a appris en plus à cuisiner. C'est moi qui l'ai appris tout, comment il faut faire tout, voilà. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, il m'a beaucoup dépassé. Il a beaucoup... En cuisine, il a beaucoup de qualité. Ouais, merci beaucoup. Toi aussi, hein. C'est la vérité. Toi aussi. En tout cas, même si je ne suis pas là pour cuisiner, je sais que les enfants vont bien manger parce que tu cuisines bien aussi. Ça, c'est normal. Et ouais, alhamdoulilah. Surtout quand on prépare pour un repas pour les enfants, c'est... c'est du bonheur. Pour moi, c'est un bonheur. Qui est le moins strict avec les enfants? Le moins dur avec les enfants. Le moins dur? Ouais. Tiririn. Ta-da!
Voilà, Majid, un homme au grand cœur. Il se fâche presque jamais avec les enfants. Ou du moins ces dernières années, hein, parce qu'au début, c'était l'inverse. Au début, c'était un peu l'inverse, mais... Comme on dit, on s'assagit avec les années. Et lui, il s'est assagi. Moi, c'est pas que je suis sévère, mais je suis stricte. J'aime bien que les choses se passent dans les règles, que les enfants écoutent. J'aime bien avoir le dernier mot, j'aime bien finir ma parole. Et avec Majid, c'est pas toujours... c'est pas toujours pareil. Mais les enfants restent des enfants aussi. Voilà, alors je ferme les yeux de temps en temps, mais on se dispute jamais devant eux quand on n'est pas en accord. Ouais. On en discute tout seul. Et les enfants, ils le savent. Voilà, parfois, c'est pas des trucs, c'est vrai, très important, mais moi, je les vois comme importants. Ouais, c'est trop important, mais quand c'est les enfants... Et puis, je suis un peu trop stricte aussi, c'est vrai. Mais on a été éduqués, nous, à la dure. Toi aussi, t'as été éduqué à la dure. Moi aussi, j'ai été à la dure, mais... Mais là, lui, il a réussi à changer. Moi, je suis encore un peu dans de l'ancienne école. Mais bon, alhamdoulilah, tant que les enfants sont heureux, c'est le plus important. C'est le plus important. Ah, ça, c'est pas mal. Qui de nous deux se plaint le plus quand il est malade? C'est Majid! On dirait l'émission là qu'il y a des gens qui veulent se marier. Tu te souviens? J'ai oublié comment ça s'appelle. Alors c'est Majid. Quand il est malade, c'est incroyable, il devient comme un enfant, comme un bébé. Ouais, c'est comme ça. Hein. Il va se mettre dans un coin, n'est-ce pas? Il va se mettre dans un coin, surtout quand il a de la fièvre. Hein. Alors là, il faut lui mettre plein de couvertures. Mimi, Mimi, mets-moi un torchon sur le front. Ah, oh, je lui mets un torchon. Mimi, viens, tourne le torchon. Hop, je tourne le torchon. Mimi, j'ai froid. Hop, je rajoute une coque. Même le torchon, c'est elle qui doit venir le tourner. Du coup, je passe ma journée à aller venir de la cuisine à lui, parce qu'il est malade. Et il reste au moins 2-3 jours couché, hein. Quand je suis malade... Voilà. Mais quand c'est mon tour d'être malade... Quand c'est son tour, c'est autre chose, ça. Il me voit allongé. Je dis, lève-toi. Je dis, si tu vas continuer à te rallonger, ça va être la maladie. Il va dire, ah, c'est ça, c'est bien. Alors il me dit, lève-toi, ça va empirer si tu restes là. Voilà. Et c'est la vérité. Mais quand c'est lui... C'est autre chose. Donc oui, je crois qu'il se plaint. C'est lui qui se plaint le plus. Ok, alors suivant. Qui de nous deux conduit le mieux? Il n'y a pas photo, hein. C'est Majid. Alors, il conduit comme un chef. Allez, comme Schumacher aussi parfois. Quand il faut aller vite, il faut aller vite. Quand il faut pas aller vite... Moi, j'y respecte. Ouais, la limite de vitesse. La limite de vitesse, on respecte. Mais quand, un exemple, on est pressé pour quelqu'un, un exemple, à l'hôpital, j'ai fait un peu vite. C'est urgent en même temps. C'est urgent, vous voyez. Mais sinon, moi, je roule super bien, mais madame, elle est pas mal aussi. Elle conduit très, très, très bien. C'est toi qui m'as appris à conduire. Ouais. Mais alors, je suis née en Belgique, à Bruxelles, et il connaît Bruxelles mieux que moi, les petits chemins, les petites déviations. Parfois, quand c'est moi qui conduis, il me dit, mais pourquoi tu vas par là? Viens, je vais te montrer un chemin. Et puis, bam, il me montre un chemin et effectivement, il y a moins de feux rouges, moins de circulation. Et je dis, bravo, quoi. Il est même pas né ici et il connaît la route mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il conduit mieux et il ose emprunter des autres chemins qu'il connaît pas. Éviter toujours les bouchons. Les bouchons et tout. Les bouchons pour aller dans les petites rues. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai montré plein de chemins à mes sœurs et aujourd'hui, elles sont contentes. Elles me disent, franchement, grâce à toi, on gagne 5-10 minutes. Ouais. Croyez-moi, quand on travaille, qu'on a des enfants, qu'on doit aller déposer à la crèche, 5 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Pour ne pas arriver en retard au travail. Ça, donc clair. Oui, Majid, un grand chauffeur, surtout au Maroc. Alors là, au Maroc, bravo. Bravo. Au Maroc, pour conduire là, au Maroc, tu dois avoir un diplôme. Il faut 10 yeux. Même, tu peux avoir 10 diplômes. Là-bas, il n'y a pas de... C'est 10 routes, oui. Oui, mais il n'y a personne qui respecte. Il y a des règles, hein, mais il n'y a personne qui les respecte, au fait. Et même les piétons, hein, ils ont des trottoirs, mais... Ils ont des trottoirs, tu regardes, mais... Oui, ils arrivent de nulle part. Ils traversent n'importe comment. Le feu, il est rouge, ça klaxonne. Mais en tout cas, la conduite, là-bas...
C'est difficile. Très, très dangereuse. Tu dois toujours faire attention. Et franchement, quand je monte avec lui, je suis en sécurité, mais incroyable. Même si je conduis moi très rarement là-bas, c'est très, très difficile. Il faut vraiment avoir 10 yeux. Maroc, oui. Ouais, bravo. Alors, qui dit le plus souvent « je t'aime » l'un à l'autre? En fait, c'est simple. Soit c'est moi qui lui envoie un message, je t'aime. Et moi, toujours, j'écris moi aussi. Avec un mot, c'est que je ne sais pas écrire. Il est bizarre. Ah ouais, il écrit. Il me comprend. Hein. Il écrit moi aussi comme il l'entend, parce qu'il n'a pas étudié le français. C'est un croquis. Bref. Et toujours avec un petit smiley. Hein. Ah, toujours. Un cœur, un bisou. Ou alors, c'est lui qui va m'écrire. Il est au travail, il va m'envoyer, il va me dire... je t'aime ma chérie, et puis alors moi je vais lui répondre. Donc je crois que c'est... 50-50. 50-50. Tant qu'on se le dit, peu importe qui le dit en premier. Bah oui, ça c'est... Alors qui de nous deux propose le plus de sortir? Tadam! C'est Magie. C'est Magie. Alors oui, c'est lui qui me propose ce jour de sortir. Le plus souvent pour aller manger un petit bout. Un petit bout. Là, avec le confinement, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Ah oui, ça. Mais il m'a invité récemment à Paris, avec lui, au travail. À Paris, j'ai... On a été boire un café quand même. Un café? Ouais, on a été boire un café à la pompe essence. Ah oui, un café, on a bu du thé aussi. Et du thé, ouais, chez le fournisseur. Quel thé il nous a donné? Oh, on ne sait même pas il est à base de quoi. C'est de la menthe mélangée autre chose. Bah, c'était délicieux. Un très très bon thé. Moi j'ai bu 5 thés. Ouais, plus on a pris à emporter sur la route. J'ai pris 2 à emporter. Il était tellement beau. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est souvent lui qui me propose de sortir. En même temps, moi je suis souvent occupée à la maison, soit sur mes vidéos, soit avec les enfants, soit le ménage. Ouais. Et puis c'est lui qui m'appelle, viens on sort. Parfois, je lui dis, mais je suis en train de faire ça, mais laisse, on s'en fout du ménage. Et puis, oh, d'accord, t'as raison. Okay. T'as raison. Ben oui, le ménage, ça se finit jamais. Ça se finit jamais. Alors, la sortie, c'est quand il y a le moment de sortir, il faut la profiter. Ouais, une petite heure, vite fait, on va, on mange, on rigole, le on ménage, parle de journée. Le ménage, même si tu fais pas, il va attendre. Ah oui, le ménage, il nous attend. C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Si tu vas finir le ménage et tout, tu n'auras pas le temps pour sortir. Alors, le ménage, il peut attendre, je sais pas. Lendemain, hein, un exemple. Ouais, ou après, juste après, hein, ça dure une heure, hein, notre petite sortie. On va pas très loin, nous, on va toujours notre petit snack maestro. Ouais. Oh. Et on mange, on déguste, et puis on rentre chez nous, quoi. Et on discute surtout, on rigole. On discute sur le chemin, on rigole. Hein. Et voilà. Et puis on rentre chez soi. Et qui de nous deux est le plus timide? Yes, imagine. Timide, mais d'une timidité, quand on s'est rencontrés pour la première fois, pour faire connaissance, il me regardait même pas dans les yeux. Je lui parlais, lui, il était comme ça. Tu t'en souviens? Je disais à ma mère, je dis, ah, ya maman, mais il est trop timide, il me regarde même pas dans les yeux. Moi, je voulais que ça, regarder ses beaux yeux bleus. Impossible! Elle me dit, t'inquiète pas, ma fille va changer avec le temps. T'inquiète! Ça, maman, il a l'expérience. Mais au jour d'aujourd'hui, il est toujours comme ça, timide. S'il y a quelqu'un qui va venir nous voir, quelqu'un d'important ou qui vient pour discuter de quelque chose d'important, il va être plus... par exemple, on a accueilli chez nous le frère Ismaël Mounir qui a voulu faire une vidéo avec nous. Et ça nous a beaucoup touchés d'ailleurs. Ouais. Et ma Majid, il était tellement timide. Il n'osait même pas parler. Je devais lui dire, mais tu peux parler, mais tu peux parler, mais parle. Mais il est très, très timide, effectivement. Et ça a du charme aussi dans la vie d'être timide. Moi, je suis aussi timide, ça dépend sur quel thème. Mais moi, j'ose un peu plus, quoi, c'est sûr. Ouais. Et le jour d'aujourd'hui, ça va, t'es un peu moins timide. Ça va. Ça va. Et on passe un petit coucou à Ismaël Mounir. Un grand salam. Et à Aïcha aussi, un grand salam à vous. Qui de nous deux va le plus au cinéma? T'as vite répondu. Ah oui, c'est moi. J'aime trop le cinéma. Vivement que le confinement s'arrête pour retourner aller voir un bon petit film avec les enfants. Combien de fois ici en Belgique Je crois que t'as été 3 ou 4 fois maximum. Deux fois.
Deux fois, je m'en souviens. Et deux fois, ici. Oui. Il faut renverser. Ici, on a été voir une fois Space Jam, moi et toi. Je ne me rappelle pas. Le film avec le joueur de basket, Michael Jordan. Jordan, je ne me rappelle pas. On a été voir Titanic. Titanic, oui, je me rappelle. C'était le jour de Ramadan. C'était Ramadan. Ouais. On avait pris des dates avec nous. On a pris des dates, on a mangé au cinéma. Mais c'était le Ramadan, l'heure de rupture, c'était à 16h30, c'était au mois de décembre, hein, à cette époque-là. On a été voir le film Titanic et le film, ça dure 3 heures. Ouais, il est long. On avait pris que des dates pour rompre le jeûne. C'était un bon film. C'était un bon film. Ouais. On a été toi et ta soeur. Moi, toi et ma soeur. Ouais. On a été à trois. Titanic, ouais, je me souviens. Ouais. Et on a été voir Space Jam. Et on a vu une fois un film au cinéma en Espagne. Ouais, c'est Amelia. Conner avec Nicolas Cage. Je ne me rappelle pas. Ouais, je me rappelle que des Titanic. Ça t'a marqué. Mais c'est un bon film. Oui, c'est un très très bon Franchement, film. Franchement, c'est un bon film, Titanic. Donc oui, moi je vais beaucoup au cinéma avec les enfants. On allait presque une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ouais. Mais merci, ça tombe, ça glisse. Et c'est chouette le cinéma. Bon, même quand je suis au régime, je prends mes pipas, je prends mes oléagineux. Je prends ce que je peux manger, je le mange là-bas. Avec les enfants, quoi. Voilà. Eux, c'est toujours popcorn, chips. Mais voilà, on passe un bon moment. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'on puisse y retourner, en tout cas, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va venir. Ouais. Alors, on est arrivé à la dernière question. Mais j'étais prêt. Ouais. Qui de nous deux se prépare le plus vite? Ta-da! En même temps, les hommes, c'est trop facile. Quoique, on a un homme à la maison, il prend du temps pour se préparer. Moi, c'est quoi? Toi, c'est en 5 minutes. Non, mais Sofiane, c'est aussi un homme. Ouais. Ah, lui, il met du temps. C'est autre chose. Ah ouais, lui. Lui, avec son gel et tout le bazar. Son gel, non, ses cheveux. Gel, hein. Non, il met pas de gel. Il met de la wax. C'est comme du gel. Ouais, mais moi, 5 minutes. Et puis, il va s'habiller. Puis, tout compte fait, il va se dire, ouais, non, ce pull, ça va pas. Hop, il va l'enlever, il va mettre un autre pull. Ouais, mais il est jeune aussi. Il est très, très optimiste. Il est jeune. Lui, il prend du temps. Moi, c'est pas que je prends plus de temps que lui, mais voilà, rien que mettre mon foulard, ça prend plus de temps. Un petit peu, parfois, se maquiller légèrement, ça prend du temps. Bon, voilà, ouais, nous, les femmes, on a un peu plus de chichi, je vais dire, que les hommes. Ouais. Parfois, il y a des hommes qui sont plus de chichi que les femmes. Ouais, ça dépend d'une personne à une autre. Bon, quand il m'appelle à la dernière minute, vite, pour aller manger dehors, ouais, bah là, à ce moment-là, je fais pas de chichi. Hein. Hop, ouais, juste mon foulard. Et mes chaussures, voilà. Et j'arrive. On y va. Voilà. Eh bien, c'était vraiment très sympa, Majid. Très sympa. J'ai bien rigolé. Moi aussi. Et on était presque d'accord sur tout. Hein. Ouais. C'est pas difficile. On se connaît bien, quand même. Bien sûr. Alhamdoulilah. 23 ans, 22 ans. 23 ans de mariage. 23 ans. Ouais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec des hauts, des bas, des disputes, comme tout le monde, hein. Comme tous les couples. Hein. Un couple qui ne se dispute pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, ce qui est bien dans les disputes, c'est... quand on se réconcilie après. Ça, c'est bien. La récompense. Mais si on laisse cette dispute prendre de l'ampleur... Non, c'est pas bien du tout. Alors après, ça se passe mal. Mais bon. On vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Inch'Allah. Tout le bonheur au monde pour vous, vos proches, vos familles. Et on se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir joué ce jeu. Je t'en prie, avec plaisir. À refaire. C'était chouette. Ouais, à refaire. Donc, moi, Mimi. Moi, Majid. On vous remercie. Beaucoup. Et on vous dit à très très bientôt. Inch'Allah. Pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. C'était facile. Oui. Bah oui. C'est chouette quand même.